Ok. Alors, le 54. Pas d'erreur, il s'agit bien du 54 présenté par Laure et Didier Gitlen. Le 54. Eden Blue, 15,87%. Dans l'eau. Oh, quel pédigré. Une fille dans le Zitro, le cheval qui avait été découvert par Claudie Pelsi, qui est mort trop rapidement. Et Honey Blue. C'est-à-dire que nous avons ici la sœur de Zara Blue, qui vient de remporter une nouvelle grande course. Et qui comptait, alors de la parution du catalogue, 8 victoires. Oui, donc voilà, j'ai un petit signe. Alors elle avait déjà 8 victoires. Elle, voilà, c'est ça, ça marche. Elle avait déjà 8 victoires lors de la parution du catalogue, Zara Blue, et elle en a remporté une 9e. On va peut-être pouvoir marcher. Oui, on va marcher, parce qu'à l'instant. Elle en a remporté une 9e victoire, cette Zara Blue, sous la selle de Gaëtan Mazur, ou plutôt pas trop sous la selle de Gaëtan Mazur, parce que la selle avait disparu du cheval, mais, ou presque, et donc Gaëtan Mazur s'est retrouvé dans une position fort inconfortable dimanche dernier à Dax, c'est tout plus récent. Et ça ne l'a pas empêché de s'imposer grâce à Zara Blue. Alors Eden Blue, c'est aussi la nièce de Blue Boy. Un Blue Boy qui était un étalon fameux. Père de mère de Benigno, notamment. Alors, nous parlons bien du 54 Eden Blue, ici, qui est né le 7 avril. On va présenter au trot désormais. La sœur de Zara Blue et Apple Blue, hein, faut pas oublier Apple Blue quand même, gagnant du Grand Prix des Pouliches nous unis à Tarbes. Présenté par Laure et Didier Gitlen.